quoi retenir de la première rencontre qui a été plutôt fructueuse pour vous? Oui, bon, en termes de résultats, le contenu était plutôt pas mal pour un premier match, mais le contenu ne suffira pas pour la suite du championnat. Donc il faut qu'on soit encore plus constant dans l'intensité que l'on met, dans ce qu'on veut faire ensemble. Alors, c'est normal, ça se fait par étapes, mais on peut s'améliorer dans tous ces paramètres-là. Mickaël, qu'est-ce qu'il faut s'attendre face à cette équipe du Mans? Une équipe revancharde par rapport à ce qu'elle a proposé, notamment au premier mi-temps de son premier match à l'Asvel. Perdre à l'Asvel, ça arrivera à beaucoup d'équipes. Mais sa première mi-temps, elle n'était pas forcément sur ce qu'elle a montré en pré-saison. Donc, connaissant un petit peu l'entraîneur, je pense qu'il y aura une vive réaction dès le début du match. Notamment le premier match à domicile pour eux. Donc, il faut s'attendre à une entrée très vive. Comment s'est passée cette semaine de préparation pour la bière? Plutôt bonne, on a plutôt bien travaillé, à part Robert qui s'est pratiquement pas entré de la semaine, dû à un choc au poignet. Bon, apparemment, il n'y a rien de cassé, mais pour l'instant, il ne peut toujours pas shooter. Donc, je ne sais pas s'il sera là demain lors de la rencontre, mais bon, pour le reste, on s'est globalement bien entraîné.